Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous parler de la Xbox One. Il y a plein de choses à dire sur la Xbox One. Déjà, la première chose, c'est que, vous savez, il y a toujours des mecs qui... Enfin, en fait, vous êtes amis avec des potes que vous connaissez, et du coup, ils vous invitent dans le groupe Xbox. Et puis tu veux pas aller dans ce groupe Xbox. Et bah, du coup, ils te spam. Ils t'envoient plein de notifications. Je me demande à quoi il ressemble, quand même, le mec. Le mec qui t'envoie des invitations à l'infini. Mais réponds, tu vas répondre, oui! C'est le seul truc que j'ai trouvé. Il n'y a pas d'autre explication. Bon, bref. Ensuite, la deuxième chose que j'aimerais vous parler, c'est les mises à jour. Alors, les mises à jour, je vous le dis. Non, mais je vous le dis. Ça ne sert absolument à rien. Ils disent que ça va améliorer beaucoup de choses. On se fout de votre tronche, littéralement. Non mais c'est n'importe quoi ces mises à jour. Ça sert à rien en plus. Et en plus ça te fait perdre du temps en plus. Je me demande à quoi ils ressemblent les mecs de chez Xbox qui pensent que les mises à jour ça va être bien. Je me demande à quoi ils ressemblent. Alors du coup en fait j'ai trouvé une astuce. On va faire des mises à jour tous les deux jours en fait. Comme ça va énerver nos utilisateurs. Et du coup ça va leur faire perdre du temps. Et du coup on va perdre des super idée. Je vois pas d'autre explication que ça. J'en vois pas d'autre. Ensuite, alors les manettes. Alors les manettes, faut qu'on en parle. Alors voici une manette d'Xbox One. Alors ça c'est la normale, hein. c'est la blanche. Alors les commandes elles sont simples, mais un truc qu'il faut savoir, ça sert à quoi ce bouton là? Ça sert absolument à rien ce bouton en plus. Je me demande les gens de chez Xbox ce qu'ils ont pensé pour rajouter un bouton là ici. Je me demande à quoi il ressemble. Alors du coup en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va rajouter un bouton ici. Comme ça va énerver nos utilisateurs parce qu'ils vont se demander à quoi ça sert ce bouton. Super idée. Donc si vous êtes comme moi et que vous pensez ça de la Xbox One, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, partagez cette vidéo et mettez des commentaires. Donc au revoir. En vrai la Xbox One c'est bien, c'est juste les défauts que je parle, mais en vrai la Xbox One c'est très bien, donc je vous conseille de l'acheter.